Aujourd'hui, symboliquement, nous sommes devant le Parlement parce que des amendements ont été déposés, ils vont être votés, et deux qui nous intéressent particulièrement, des amendements simples qui ne coûtent rien à l'État. Le premier, c'est les 2 centimes sur le diesel, qui, s'ils sont votés, financeront une partie des infrastructures. Et un deuxième aussi, à travers les collectivités locales, à travers la TVA, on demande que la TVA soit remboursée dans l'année aux collectivités locales et non pas 2 ans plus tard, ce qui permettra à nos communes, à nos conseils généraux de relancer les travaux. Le rétropédalage sur l'écotaxe, c'est un véritable gâchis, ça a été un feuilleton. Aujourd'hui, nous sommes privés de financement, nous n'avons pas de solution de remplacement. Et là, pour le coup, c'est au gouvernement qu'on demande de tenir ses engagements et de trouver des solutions rapidement. Moi, je ne veux plus de déclarations, je ne veux plus de slogans, je veux absolument des actes.